Et puis on a une contrainte, c'est qu'à 9h30, il faut qu'on ait terminé, de manière à ce que puisse vider la salle pour ensuite poursuivre avec le colloque 1+2 pour toute la journée. Peut-être qu'à la fin, Philippe vous donnera quelques indications sur la suite du programme. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Et il m'est extrêmement agréable de voir qu'il y a autant de gens matinaux à Toulouse, ce qui n'est absolument pas mon cas, a priori. Mais je vais quand même essayer de vous réveiller et de me réveiller avec vous, puisque nous sommes dans le réveil créatif. Effectivement, mes parents n'aimaient pas la plage. J'ai grandi entre la région parisienne et la Bretagne. Et comme il dit dans le préambule, ma mère m'a appris à pêcher et mon père m'a appris à faire le point. J'ai aussi grandi, quand j'étais en région parisienne, à côté de l'observatoire de Meudon. Et en fait, aujourd'hui, je suis océanographe et je travaille à l'observatoire Midi-Pyrénées. Autrement dit, je crois que j'ai été très marquée par mon enfance, voilà, et par mon éducation. Et je suis bien un exemple des gens qui, effectivement, construisent leur envie de faire quelque chose au cours de ma vie, puisque, donc, je vais venir à ça très rapidement, mais le globe qui est derrière, je l'ai eu à l'âge de 8-10 ans à peu près, et à 13 ans, quand on a parlé d'orientation à mon collège, je me revois m'asseoir au réfectoire et devant l'orientation, moi je veux être océanographe. Et elle m'a répondu, c'est pas pour les femmes. Et elle m'a répondu aussi, c'est bouché. La deuxième chose, c'est que je dois être vachement têtue quand même. Voilà, donc je suis effectivement océanographe au CNRS et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de la mer. Je vais vous parler aussi un petit peu de l'Anthropocène parce qu'on en parle tellement en ce moment et puis on terminera sur l'océan de l'Anthropocène. Alors, la planète, c'est là que le globe intervient et c'est là qu'il faut que je bouge pas. Alors ça va être terrible, en fait la dernière instruction qu'on vient de me donner, c'est qu'il ne faut pas que je bouge. La planète est bleue parce qu'elle est couverte aux trois quarts de sa surface, à 70% par la mer. Cette mer, l'océan, il y a trois choses majeures qui la caractérisent pour comprendre et pour faire vos premiers pas au-delà de la plage. C'est d'une part que c'est un fluide. Ce fluide, il circule d'un bout à l'autre de la planète, d'où l'importance d'avoir ce globe ici. On va faire un petit focus sur l'Atlantique Nord. Sur l'Atlantique Nord, vous avez donc, ici vous reconnaissez les États-Unis, la France, et vous avez le golfe du Mexique. Si on part de là, c'est plus simple, on va partir de là où se forme un courant marin qui est très connu des Européens, qui s'appelle le Gulf Stream, qui prend sa naissance dans le golfe du Mexique. Et c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et il va circuler, il va longer un peu les côtes d'Amérique du Nord, et puis traverser l'océan Atlantique en diagonale. Quand il est au sud, là, il prend de la chaleur à l'atmosphère, et quand il va aller vers le nord et aller mourir, et il ne meurt pas totalement, hein, pas pour un océanographe en tout cas, mais aller mourir entre les côtes de Norvège et puis les côtes du Groenland, là il va devenir de plus en plus froid et donc il va restituer sa chaleur à l'atmosphère. Et en fait vous avez un couple comme ça qui est entre l'océan et l'atmosphère où en permanence ce sont deux fluides qui vont échanger de la chaleur. Ça c'est la première des choses qu'il faut comprendre, l'océan c'est un fluide physique. Qu'est-ce qui va se passer de cette énergie qui est échangée? En termes d'océanographie, je vous ai dit que le courant ne mourrait pas complètement, parce que qu'est-ce qui va se produire? Les eaux, elles deviennent froides, donc elles deviennent denses. Tous les corps froids sont plus denses que les corps chauds. Okay, c'est encore de la physique de base. Elle va, comme elle est lourde, elle est froide, elle va plonger en profondeur dans ces régions-là. Et puis, elle est bloquée. Elle ne peut pas aller plus au nord. Donc, elle va repartir au sud et longer les côtes d'Amérique du Nord, les côtes d'Amérique du Sud, faire le tour de l'Antarctique, aller irriguer l'océan Indien, l'océan Pacifique. Et puis, il faut qu'elle revienne parce qu'elle ne va pas s'échapper dans l'univers. Et donc, ce grand balai que fait l'eau profonde et puis l'eau de surface, alors l'eau, quand elle coule comme ça, qu'elle parle de l'Atlantique Nord et qu'elle coule, elle est entre 2 et 4 km de profondeur. Et quand elle revient, elle va revenir évidemment par des zones de surface où elle se sera réchauffée. Alors c'est par le passage du Cap Horn, par l'Indonésie. Et puis elle retourne où? Dans le golfe du Mexique. Et puis elle retourne où? Dans l'Atlantique Nord, etc., etc. Cette circulation-là, c'est un échange de chaleur entre l'océan et l'atmosphère qui s'est installé il y a 8000 ans et qui conditionne en gros notre climat actuel.
Et c'est vraiment fondamental. Donc ça, c'est la physique. La deuxième chose, c'est que c'est un liquide. Et dans ce liquide se développe la vie, et en particulier dans les autres surfaces de l'océan, vous avez des sels nutritifs. Qu'est-ce que c'est que les sels nutritifs ? C'est les nitrates, c'est les phosphates, c'est le carbone. C'est ce, que vous, c'est ce qui permet, avec la photosynthèse, d'avoir des arbres dans le parc ici. Voilà. Et partout, de l'herbe, etc. Ça, c'est sur Terre. Eh bien, en mer, c'est pareil. Dans la couche de surface, vous avez de la lumière. La photosynthèse peut se produire parce qu'il y a de la lumière. Et à partir de là, vous allez avoir des développements d'algues qui vont nourrir derrière des développements de petits organismes brouteurs qui sont comme les vaches et puis comme les lapins, et puis qui vont être encore mangés par des poissons, et puis au bout de la chaîne alimentaire, il y a l'homme ou d'autres mammifères marins. Ce qui est important de comprendre pour nous, c'est qu'en surface, vous avez du carbone dissous, j'insiste sur le mot carbone, vous avez de l'azote, du phosphate, et tout ça, c'est normalement dissous dans la solution. Et ça va être soustrait de cette solution par cette photosynthèse qui transforme ce qui est dissous en particules. Pourquoi j'insiste ? Parce que ces particules, elles vont, une fois formées et une fois mortes, chuter en profondeur. Or, on a dit carbone. Le carbone, comment il rentre dans l'océan ? Le carbone, il rentre par dissolution du gaz carbonique de l'atmosphère. J'ai dit gaz carbonique. Hein. Donc, vous avez le gaz carbonique qui va se dissoudre, il va être fixé, et il y a une partie qui va être séquestrée en profondeur. Et il y a une autre partie qui va rester dissoute et qui va aller se balader aussi dans les profondeurs avec la circulation. Qu'est-ce qu'il fait donc l'océan ? Il prend du gaz carbonique à l'atmosphère. Il ne fait pas qu'échanger de la chaleur. Il pompe réellement, on appelle ça la pompe biologique de carbone chez nous, donc c'est vraiment une pompe. Il pompe du gaz carbonique à l'atmosphère. Et en faisant ça, deuxième régulateur du climat. S'il n'y avait pas cette vie dans l'océan, il n'y aurait pas... la concentration de gaz carbonique dans l'atmosphère serait à peu près le double, c'est ce qu'on estime. Si elle était le double, il ferait encore plus chaud qu'il ne fait aujourd'hui, puisque vous savez qu'on attribue à juste raison au gaz carbonique d'être un facteur du réchauffement climatique. Et la troisième chose qu'est l'océan, et je l'ai un petit peu abordé avec mes sels nutritifs dissous, c'est que c'est une solution chimique. Et c'est pas pour rien si je vous ai amené cet objet. Alors, il doit vous rappeler, sauf qu'il est artistique, là, mais il doit vous rappeler des choses de l'école. Ça s'appelle la classification périodique des éléments. Simplement, dans celle-ci, on va représenter les éléments à l'état natif, c'est-à-dire sous quelle forme ils sont quand ils sont naturels. Parce que tous les éléments chimiques de la classification périodique, à part quelques-uns au bout, là, qui ont été inventés par les hommes, mais tous sont naturels. L'aluminium, le fer, le manganèse, tout, le calcium, le cobalt, le plomb, le zinc, l'arsenic, qui est absolument dramatiquement toxique, il est naturel aussi. Et donc tous ces éléments chimiques, ils arrivent à un moment donné à la mer. Ça tombe très bien. Ça, c'est l'Amazone qui se décharge sur le plateau continental et au large, vous avez l'Atlantique, là, sur cette photo. Ils arrivent à la mer par les fleuves. Ils arrivent à la mer par le biais de l'érosion, donc aussi par les vents qui amènent des poussières. Ils arrivent aussi à la mer par la main de l'homme, par les contaminants qui viennent des villes, qui viennent de... Et vous trouvez donc dans l'océan tout ça, tous ces éléments chimiques. Vous trouvez les éléments chimiques essentiels à la vie, ceux qui le sont un petit peu moins. Mais toute cette condition de solution chimique, ça conditionne aussi la capacité de l'océan à piquer du carbone à l'atmosphère. Donc quand on est océanographe, on est... physicien, chimiste, biologiste. En fait, en gros, les études, pour ceux qui sont plus jeunes, là, qui sont venus avec leurs parents, parce que ça m'étonnerait que vous vous leviez spontanément à 7h du matin, le samedi, mais pour ceux qui sont donc... il faut savoir qu'on peut devenir océanographe en travaillant sur, d'abord, la culture scientifique générale pour comprendre le copain quand il parle de physique, mais qu'en gros, ce sont les trois voies principales qui amènent à devenir océanographe. Celle sur laquelle je me suis spécialisée, pour terminer sur la question de la première partie de mon exposé, l'océan, celle sur laquelle je me suis spécialisée, c'est la chimie. C'est pour ça que je vous ai amené cette belle classification périodique, j'en ai une collection. Je suis absolument fanatique, moi, de Mendeleïev, et c'est mon objet de travail. Alors, en deux mots, je vais vous dire pourquoi. On a besoin, une fois que je vous ai raconté tout ça, je vous dis par exemple que l'eau ici, elle fait le tour du monde. Sauf qu'on a besoin, on a absolument besoin de savoir en combien de temps elle fait ça. Est-ce que c'est 100 000 ans ? Est-ce que c'est 50 ans ? Est-ce que c'est... Voilà. Et pour ça, on ne peut pas aller, surtout vous allez voir le temps que ça dure, on ne peut pas aller chronométrer l'eau au départ ici et l'eau à l'arrivée au fond du Pacifique et la voir combien de temps elle met à revenir. Ce n'est pas possible, on ne peut pas y aller.
On utilise des éléments chimiques de la classification périodique qui ont des propriétés de chronomètre, le carbone 14 en l'occurrence. On peut aussi utiliser le thorium qui a des propriétés de chronomètre, etc. Un autre exemple, je vous ai dit que les particules chutaient dans la colonne d'eau, que ça servait à séquestrer du gaz carbonique de l'atmosphère. Il faut savoir, si on veut calculer l'importance de ce processus, il faut savoir à quelle vitesse ça se passe. Eh bien, le thorium va se coller sur les particules. Le thorium, il est radioactif dans l'eau de mer. Il est naturel, alors je vous assure, vous pouvez vous baigner. Hein. Il est présent à des très très faibles concentrations. Eh bien, mon métier, et celle d'autres collègues, c'est la géochimie, c'est de prendre ces éléments chimiques, ceux qui sont intéressants, et qui vont nous parler, qui vont nous donner une information, qui peut être un chronomètre, qui peut être un colorant. Ma spécialité, il est là. Attendez, il est où? Il est où le néodyme? Voilà, les terres rares sont là. Voilà, ici, avec celui-là, j'ai fait ma carrière. Hein. En gros, il a fallu déterminer pourquoi il était intéressant. C'est un super colorant. Il vous dit, il y a 20 millions d'années, dans ce niveau de glace dans l'Antarctique, les poussières, elles viennent du sud de la Patagonie ou elles viennent du sud de l'Afrique du Sud. Avec ça, on fait des modèles de vent, de transport, de climat. Donc, ce sont des super indicateurs. Voilà. C'est juste pour vous dire que Mendeleïev n'y pensait peut-être pas, mais nous, on s'en sert beaucoup, beaucoup. Les géologues aussi se servent aussi beaucoup. Bon, on a donné l'âge de la Terre avec ce genre de considérations géochimiques. Maintenant que je vous ai planté le décor, le truc, c'est que sur la planète, notre belle planète, dont je suis tombée amoureuse de très, très jeune, bien nous y sommes, nous, les hommes. Et donc, pour la régie, on va passer sur le diaporama numéro 2. Mes diaporamas ne sont pas là pour faire un cours. C'est là pour mettre une ambiance générale. Donc vous avez vu la beauté de l'océan, très peu illustrée. J'ai dû sélectionner plein de photos, ça m'a pris beaucoup de temps. Juste pour, c'était pour illustrer la vie, la chimie, et puis un petit peu... Voilà, donc une vue de São Paulo. Quand on atterrit à São Paulo, on est absolument effrayé parce qu'on survole des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de forêts, de buildings. Et donc nous sommes arrivés dans ce paysage naturel. Et je veux vous entretenir de pourquoi aujourd'hui on parle autant de l'anthropocène et en quoi c'est une question qui peut être intéressante. D'une part, en 2000, alors d'où c'est venu l'idée de l'anthropocène ? En 2000, un chimiste prix Nobel de chimie de l'atmosphère qui s'appelle Paul Crutzen, lors d'une conférence scientifique, a dit, eh bien, l'humanité et ses actions sont tellement prégnantes et elles transforment tellement le milieu naturel que nous sommes entrés dans l'anthropocène. Ah, ce mot-là a beaucoup plu, les médias s'en sont emparés et tout de suite, surtout, a jailli une controverse parce que de quoi se mêler ce chimiste de l'atmosphère pour baptiser un âge géologique ? Sachant qu'a priori, les âges géologiques... Alors, je ne vous ai pas amené mon deuxième dada, hein, parce que c'est rangé dans un déménagement, mais sinon, vous auriez aussi la carte de toutes les couches géologiques qui étaient affichées dans toutes les classes quand vous étiez plus jeune. Sauf que cette carte, elle est fondamentale. Les couches géologiques, qu'est-ce qu'elles font ? Alors, justement, on va passer les diapos. Je crois que je l'ai aussi, ça. Elles vont enregistrer... À un moment donné, dans les sédiments qui se déposent au fond de la mer, au fond des lacs, etc., ça c'est une mine de cuivre au Chili. Après, on a encore là, donc il va défiler, vous allez voir, les fameuses couches géologiques. C'est important parce que quand on écrit le livre de la Terre et quand on cherche à reconstituer le livre de la Terre, on a besoin d'avoir des repères et que ce repère soit universel, qu'il soit entre tous les géologues du monde, génération d'aujourd'hui, génération d'hier, génération future. Donc, ce côté qu'ont les naturalistes, et dont je fais partie, de dire à un moment donné, il faut qu'on fasse un livre avec une identification du niveau, est extrêmement important. Or, quand il fait chaud ou quand il fait froid, si on peut passer aux autres diapos. Parce que alors là, c'est l'humain. L'activité. Voilà, c'est ça qui est, celle-ci, elle est un petit peu importante. C'est la seule sur laquelle je fais vraiment un commentaire. Cette jeune femme est tout à fait contente, mais en fait, elle sert à l'échelle, pour vous donner une idée. Donc là, c'est quand même un empilement de couches géologiques assez extraordinaire. Et vous voyez, il y a du rouge, il y a du blanc, il y a du plus vert, il y a du plus foncé, il y a du plus clair.
Cela correspond à des enregistrements d'ambiance générale environnementale de la planète. Il a fait plus chaud, il a fait plus froid, il y avait de l'eau, il y avait de l'eau de mer, il y avait de l'eau d'un lac, etc. Tout ça s'est enregistré. Tout ça s'est enregistré. Et c'est enregistré selon l'épisode, soit un peu localement, soit un peu plus généralement. Qui décide de donner un nom et de donner un âge à toutes ces couches-là ? Les géologues. Alors les géologues, c'est à la fois une sous-commission de la Commission stratigraphique internationale, qui fait partie de la Commission stratigraphique internationale, qui fait partie du Congrès mondial de la géologie, qui, à un moment donné, une fois que tous les débats scientifiques ont eu lieu, dit oui, ça, c'est une nouvelle couche géologique. Et on la baptise, et après, ça sert pour la postérité, ça sert pour les travaux scientifiques, etc. Et qu'est-ce qu'il faut ? Quelles sont les conditions pour déterminer ce que l'on appelle un clou d'or dans notre milieu ? Il faut, d'une part, que la couche qui est en dessous et la couche qui est au-dessus se soient déposées de façon synchrone, qu'il n'y ait pas eu une perturbation, d'accord ? Donc l'âge qui est là, et puis l'âge qui est au-dessus, il ne faut pas qu'il y ait de perturbation. La deuxième chose, la deuxième condition, c'est qu'il y ait un marqueur. Et que ce marqueur, on ne le trouve pas que dans un petit coin. Il faut le trouver un peu partout dans le monde. Donc pour pouvoir se parler entre géologues du monde et bien repérer la couche. Ensuite, il faut que cette couche, elle soit accessible. En plus, quand on veut faire la couche repère, il faut vraiment qu'elle soit accessible. La couche modèle, où on va dire, oui, là, on détermine que c'est le bajocien, eh bien, il faut aussi qu'à d'autres endroits du monde, on soit capable de dire, là, on voit le bajocien, etc. Donc c'est un travail de très, très longue haleine qui est aux mains des sédimentologues. Alors évidemment, ces sédimentologues se sont un peu vexés quand il y a un chimiste de l'atmosphère qui a dit « Nous sommes entrés dans l'anthropocène ». Mais il n'y a pas qu'eux qui se sont vexés. Vous avez aussi les anthropologues. Je reçois cette revue qui s'appelle Native. Il y a à peu près 350 millions d'êtres humains qui vivent encore de façon, on va dire, dans des tribus, etc. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont des autochtones et qui ont une façon de vivre qui ne perturbe très très peu la forêt amazonienne, par exemple. Est-ce que vous pensez vraiment que ces gens-là sont responsables si on fait maintenant passer toutes les diapos, de la situation dans laquelle nous sommes avec nos grosses villes, avec nos fumées, avec nos émissions de gaz à effet de serre, etc. Absolument pas. Vous avez un débat, vraiment, dans l'histoire des sciences. Vous avez des gens comme Fressos qui disent... Mais attendez, c'est essentiellement le capitalisme qui est responsable de ça. On a pris le charbon au XVIIe siècle pour créer un empire, l'Angleterre en particulier, était vraiment sur un tas de charbon, ça a aidé à créer un empire. On a derrière ça enchaîné avec le pétrole, on a découvert que le pétrole, c'était moins pénible à extraire que le charbon, puis surtout, il fallait beaucoup moins de monde qui faisait moins de grèves. Donc, hop, on est passé au pétrole, on investit, on fait un puits, puis après, il n'y a plus besoin d'autant de monde que d'une mine de charbon à faire travailler. Et on a développé derrière le pétrole et le charbon toute une économie, celle dont on profite aujourd'hui. L'anthropocène, c'est sympa, hein, pas qu'on ne se casse pas la figure. Et donc, en fait, les transports, les avions, bon, évidemment, ces choses peu agréables, qui sont, c'est en France, hein, ça. Et donc... On est arrivé dans le milieu, on a exploité toutes ces choses-là, et on n'est pas... Et pourquoi il y a une contestation des anthropologues ? Parce que anthropos, ça veut dire humanité. Or, ces gens-là ne sont pas responsables de ce qu'on leur inflige. Et par contre, le capitalisme, le développement du capitalisme est responsable de ça. Parce que les courbes... On vous répondra aussi, et je vais peut-être terminer là-dessus, parce qu'on ne peut pas débattre toute la matinée d'Anthropocène, sauf si vous avez des questions, mais on nous dit, et c'est souvent ce qu'on répond, on est bien trop nombreux sur Terre, en fait, c'est ça le problème. C'est pas qu'on est trop nombreux. Entre le début du XXe siècle et aujourd'hui, on a multiplié, effectivement, la population est passée à peu près de 2 milliards à 7 milliards d'habitants, mais en même temps, on a multiplié par 400 le capital. Donc, en fait, on est devenu extrêmement gourmand. On est devenu fou de pétrole, etc., et de consommation, et on le dit assez aujourd'hui. Donc, en fait, c'est beaucoup plus un problème de réflexion sur les sociétés sur lesquelles on veut vivre. Et c'est ce que dénoncent les historiens, les anthropologues. Ils disent, le mot anthropocène, il n'est pas adapté. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Je fais partie d'un groupe qui s'appelle Anthropocène Working Group, qui est une sous-commission de la commission du Grand Congrès des géologues qui décide, à un moment donné, de donner un âge au système, et en particulier à la couche géologique.
On a trouvé le marqueur universel, c'est les explosions radioactives du milieu du siècle dernier. Et donc, cette sous-commission propose quand même qu'on ait un âge de départ de l'Anthropocène. On n'a pas trouvé la couche miracle, on n'a pas encore trouvé comment la baptiser, on est encore dans tout ça. Voilà. Mais on y travaille parce que, de fait, l'humanité est devenue un marqueur environnemental extrêmement puissant et qui modifie suffisamment l'environnement aujourd'hui, entre autres par le changement climatique, pour que l'on puisse considérer qu'on a quitté, qu'on est en train de quitter, parce que tout ça, ça se passe à temps géologique, hein, qu'on est en train de quitter l'âge, je ne vais pas dire l'ère alors que ça me fait hurler que les gens disent l'ère, l'âge de l'Holocène, qui est en place depuis que la circulation atmosphérique que je vous ai racontée, etc., s'est mise en place au moment de la sortie du dernier maximum glaciaire. Donc on a quitté cette période-là et qu'on est entré dans un autre âge qui reste encore en cours de définition. Voilà, ça c'était la petite parenthèse anthropocène. Troisième ambiance, que se passe-t-il pour l'océan pendant l'anthropocène ? Puisqu'on est, on va décider qu'on admet pour l'instant ce terme transitoire. Et que se passe-t-il pour lui ? Alors, plusieurs choses. D'une part, il y a le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est essentiellement dû, c'est dû, il n'y a pas d'autre question, aux émissions de gaz à effet de serre des activités dues aux activités humaines. On se déplace, on se chauffe, on se refroidit, on mange, on transporte, on émet des gaz à effet de serre, on fabrique des objets, on émet des gaz, l'agriculture, etc. Donc on émet des gaz à effet de serre. Qu'est-ce que ça a pour conséquence, ce réchauffement de l'atmosphère ? Eh bien, ça va réchauffer aussi l'océan, puisque je vous ai expliqué qu'ils n'arrêtent pas d'échanger leur chaleur. Hein. C'est le couple infernal de notre climat. Donc, ce couple-là, l'atmosphère se réchauffe, l'océan se réchauffe. Et l'océan se réchauffe, et surtout, il a cette capacité, toute cette énergie en trop qu'émet l'humanité. L'océan va être le capteur de ça, beaucoup plus que la Terre. La Terre, quand on la chauffe, elle se refroidit très vite derrière. Elle n'est pas capable de garder l'énergie. Alors que l'océan, dans sa physique, l'eau, c'est un accumulateur, en fait. Il accumule, et sur les 1000 premiers mètres de l'océan, vous avez 95% de la chaleur en trop qui a été émise par l'humanité depuis à peu près 150 ans, eh bien, c'est dans l'océan. Conclusion, ça réchauffe les masses d'eau. Or, les masses d'eau circulent. Elles circulent, je vous l'ai raconté. Il y a un transport d'énergie depuis l'équateur vers les pôles, etc. Et cette température détermine ce rythme de circulation. En réchauffant les masses d'eau, vous allez changer forcément à un moment donné la circulation océanique. Si on change la circulation océanique, on déséquilibre le couple océan-atmosphère. Et donc, une partie des océanographes travaille sur cette question. Donc, il y a cette question-là. La deuxième chose avec ce réchauffement, tout corps que l'on réchauffe se dilate. Donc la mer, comme vous savez, les joints de dilatation dans les ponts, là, hein, pour éviter que le pont il casse quand ça chauffe ou quand ça refroidit, vous avez des joints de dilatation au milieu d'un pont. Mais la mer se dilate par l'effet du réchauffement. Elle se dilate, donc le volume apparent augmente puisqu'elle se dilate. Et d'autre part, vous avez la deuxième chose que l'on observe tous aujourd'hui, c'est la rétractation des glaciers de montagne, et c'est aussi les glaces du Groenland et les glaces de l'Antarctique qui fondent. Qu'est-ce que ça fait ça ? C'est de l'eau qui est piégée dans le continent et qui va vers la mer, puisque toute l'eau qui n'est pas sur le continent, à un moment donné, elle va vers la mer. Ça n'arrête pas les flux, hein, sur la planète. Donc vous avez d'une part la dilatation et d'autre part cette fonte de l'eau dite continentale. Hein, je reviendrai sur la banquise si vous voulez. Un truc qui est sûr, c'est que les deux joints induisent une montée du niveau de la mer qui menace nos littoraux. Au cours du dernier siècle, on mesure, c'est une mesure, hein, qu'on a pris 17 cm de montée du niveau de la mer à l'échelle globale pendant le XXe siècle. Et aujourd'hui, le rythme, il est de 3,3 mm par an. Donc 3,3, ça fait 3,3 cm sur 10 ans, etc. Et on passe... Les climatologues et les gens spécialistes de cette question passent leur temps à réajuster la projection de ce qui va se passer dans le futur parce que c'est une donnée certaine, le niveau de la mer aura monté d'au moins 40 cm d'ici
la fin de ce siècle, mais en fait probablement beaucoup plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regardez le littoral que l'on connaît le plus ici, théoriquement, celui de l'Occitanie. Regardez le littoral donc, de la région du golfe du Lion. Regardez les plages de l'Hérault, regardez les plages de l'Aude. Regardez les villes, regardez tout ce qui est construit au bord de la mer. Regardez la ville de Montpellier, tout simplement, et sa banlieue, qui arrive à la plage, hein, puisque le tramway il amène à la plage à Montpellier. Regardez tout ça. Vous avez à la fois une grosse tempête comme celle qui s'est produite dans la Roya récemment. Ce sont des grosses tempêtes méditerranéennes. Elles sont inévitables. Elles sont connues depuis toujours. La mer chauffe en été. Elle chauffe très fort. Elle évapore. Cette stock d'évaporation arrive sur les montagnes, que ce soit des Cévennes, des Pyrénées ou que ce soit des Alpes. Et à un moment donné, ça craque. Et vous avez donc ce qu'on appelle des épisodes cévenols. Vous avez des fortes crues. Vous conjuguez ça avec la montée du niveau de la mer, parce qu'en général, ça vient avec une tempête d'Est. Et là, vous avez des catastrophes très chères et vous avez toute une partie du littoral qui est menacée. Une autre chose à laquelle on pense moins, c'est que via les eaux souterraines, il y a de l'eau plus saumâtre qui remonte le long de la côte et qui va impacter la qualité de l'eau dont se servent les agriculteurs pour arroser. On n'arrose pas à l'eau saumâtre, on arrose à l'eau douce. Donc, alors cette montée du niveau de la mer, il y en a au Bangladesh, mais il y en a aussi sur nos côtes. Et nous, donc, par rapport à ça, nous sommes menacés, et c'est un phénomène sur lequel on a beaucoup de certitudes. La troisième menace que l'on a, toujours sur cet océan, et que l'on ne voit pas très bien, c'est l'acidification. Alors, j'avais prévu apporter une bouteille et puis je me suis aperçue que, pas réveillée, je l'ai laissée à la maison. Vous prenez une bouteille d'eau douce, vous prenez une machine qui vous fait du gaz carbonique et qui le met dans l'eau douce. Eh bien, votre eau va devenir pétillante, mais en même temps, quand vous mettez le gaz carbonique dans l'eau, vous allez légèrement l'acidifier. Oh, pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Mais le fait de dissoudre du gaz carbonique dans l'eau de mer acidifie. Et je vous ai dit tout au début que le gaz carbonique, il pénétrait dans l'eau de mer par le fait qu'il pénètre dans les eaux froides et il se dissout. Donc si vous en mettez plus, vous acidifiez un tout petit peu plus par rapport à l'état naturel d'il y a 150 ou 200 ans, avant qu'on perturbe à ce point-là. Le pH, la mesure de l'acidité de l'eau de mer montre que ça a baissé et que ça va baisser encore. Alors l'eau de mer n'est pas très acide, elle est plutôt... S'il y a des chimistes ici, je ne rentrerai pas dans un cours de chimie, mais elle est plutôt du côté du lait, c'est-à-dire à la pH de 8 à peu près. Sauf que là, elle est en train de baisser. On pourra parler des pH des aliments, si vous voulez. Je vous poserai la question du pH du Coca-Cola, c'est très intéressant. Mais donc, bon, là, l'eau de mer, elle n'est encore pas très, très dite acide. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe dans l'eau de mer ? Vous avez des organismes... qui sont toutes les petites algues, il y en a qui sont avec une coquille calcaire et d'autres avec une coquille de silice. On ne va pas parler de ceux qui ont une coquille de silice, mais les algues, comme les arbres ont un tronc, les arbres se font une coquille. Les algues, hein, donc ces petites algues que vous avez à la surface de la mer, elles font des petites capsules calcaires avec lesquelles elles se protègent. Et ces capsules calcaires sont particulièrement fragiles lorsque l'on acidifie. Si vous voulez détartrer une cafetière, vous mettez du vinaigre dedans. Le vinaigre, c'est un produit acide, hein, on est d'accord. Vous mettez du vinaigre blanc. Eh bien, si vous embêtez les petites algues en acidifiant le milieu dans lequel elles grandissent, cela nuit à leur développement. Or, c'est le début de la chaîne alimentaire. Donc, cette acidification perturbe la vie en mer. Perturbe aussi celle de petits escargots dans l'Arctique, qui servent d'alimentation, baleines, etc. Donc, c'est un problème énorme et que l'on ne voit pas. Ça, c'est les deux points, on va dire, majeurs de l'impact de l'homme sur l'océan. On va y ajouter, donc dans le réchauffement, vous avez toute la zone des coraux qui est impactée par ce réchauffement. Vous avez tous en partie entendu parler du blanchiment des coraux. Les coraux, c'est un animal, un corail, qui fabrique un squelette calcaire. Ce squelette calcaire est fabriqué parce qu'il abrite une petite algue qui est là, qui est représentée sur cette photo. Quand ils sont tous les deux ensemble, tout va bien. Sauf que quand ça commence à chauffer, l'algue, elle se tire et du coup, le corail, il n'a plus de quoi s'alimenter, il devient blanc. Donc, en fait, au moment, le réchauffement menace le corail, l'acidification menace le corail, la montée de niveau de la mer menace aussi le corail puisqu'il faut que la photosynthèse se fasse. Si vous montez le niveau d'eau, il y a plus de sombre et le corail est gêné. Si on passe sur les autres diapositives, vous avez effectivement les fameux plastiques. Moi, j'ai fini.
les fameux plastiques dont on parle, vous avez les pollutions, vous avez toute cette ambiance générale qui vous montre que l'on est en train d'impacter l'océan. Sauf que moi, la signification dont je vous ai parlé, vous ne la voyez pas. Le CO2, vous ne le voyez pas. La température qui augmente de la mer, je vous assure qu'en Bretagne Nord, pour l'instant, on ne la sent toujours pas. On ne le sent absolument pas. Et c'est une des choses que je voulais dire pour reboucler avec l'Anthropocène qui me préoccupe énormément. Et c'est pour ça qu'on va parler d'art et science, tôt ou tard, dans cette journée. C'est qu'aujourd'hui, les menaces que nous induisons à la planète, que ce soit radioactivité, que ce soit le gaz carbonique, etc., cette anthropocène, elle est tellement propre qu'on ne la voit pas. Et c'est pour ça qu'on a les climato-sceptiques. Si vous dites le gaz carbonique augmente, vous me croyez, mais il faut faire la mesure. Si je vous dis le niveau de la mer, il a monté, vous êtes gentil, vous me croyez. Mais il faut avoir... Nous, on vous répond à des mesures. Mais les climato-sceptiques, vous dites, bon, prouvez-nous, nous. Vous savez ? Parce qu'on ne voit pas. On voit ça. Et c'est dramatique. Hein. Mais les choses, je vais dire, les plus violentes qu'on est en train d'infliger au système planétaire, on ne les perçoit pas en tant qu'humain. C'est parce qu'on a les mesures qu'on est capable de les dénoncer. Et ensuite, et si je vais terminer là-dessus, lorsqu'on interagit avec des photographes, par exemple, comme c'est le cas dans le cas de 1 plus 2, et qu'on parle avec eux, mais on se retrouve avec un objet qui représente l'anthropocène, un sac plastique, on en reparlera, mais disons que nos amis artistes vont poétiser et vont rendre visible d'une autre façon, avec une autre perception, avec une autre sensibilité, ce que nous, on raconte avec nos courbes et avec nos mesures. Mais je crois que je vais m'arrêter là-dessus, en simplement... J'espère que vous êtes au moins convaincu qu'il faut arrêter d'émettre du gaz carbonique dans l'atmosphère. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas. Alors je sais que Jean me disait, mais quel est le pH du Coca-Cola ? 2,5. Et le bon vin, 4,5. Hein. Vous savez que le vin, c'est assez acide hein, quand même. Les vins de Bordeaux, on est entre 4 et 5. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions que pour décaper du cuivre, le Coca, c'est génial. Jean ? Bonjour et merci pour les images, pour les histoires. Alors, il y a quelque chose que j'ai entendu pour la première fois dans la partie anthropocène de votre histoire et je voudrais être sûre que j'ai bien compris. Le seul marqueur au niveau universel qu'on a trouvé de la fameuse anthropocène, c'est un reste des essais nucléaires, ouais. C'est ça ? D'accord. Oui, voilà. Quand je suis rentrée dans le groupe... J'étais convaincue qu'on allait travailler sur le début de l'ère industrielle et donc des émissions de carbone qui génèrent en particulier du carbone suie, une espèce de poussière réfractaire, et puis qui a enclenché le début du réchauffement climatique, etc. Et en fait, c'est pas assez répandu mondialement. Et l'autre chose, c'est que lorsque l'on regarde... Bon, j'ai amené aucune courbe involontairement, mais quand on regarde toutes les courbes d'émissions et de consommation... de l'humanité, que ce soit, alors quand je dis les courbes d'émissions de pétrole et de produits dérivés du pétrole, hein, on parle pour l'instant que de ça, et de consommation de papier, consommation de plastique, fabrication, etc. On a un épisode au cours du XXe siècle qui s'appelle la grande accélération, qui en termes économiques s'appelle les 30 glorieuses. C'est pareil, c'est au même moment, c'est-à-dire qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on s'est mis à consommer de façon absolument effrénée. Et ça part en exponentiel partout, pour tous les indicateurs. Sauf qu'il fallait trouver... Donc là, on est vraiment dans une phase où on voit bien que l'environnement est complètement impacté et que c'est mondial, beaucoup plus que le début de l'ère industrielle, qui reste encore assez ponctuel au niveau des marqueurs. Et c'est à cette époque-là aussi, au moment de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a découvert... et Nagasaki, Hiroshima,
le nucléaire, en fait, hein, et donc avec en particulier ces épisodes catastrophiques de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi l'énergie nucléaire. Et les essais qu'ont fait les pays occidentaux, ces essais d'explosion nucléaire atmosphérique qui étaient menés dans les atolls du Pacifique pour les Français, qui étaient menés au milieu de la Sibérie pour les Russes, qui étaient menés dans les déserts du Nevada pour les Américains, ces essais, le pic a été en 1963 jusqu'à ce qu'il y ait un moratoire où on a dit il faut arrêter parce qu'on balance de la radioactivité dans l'atmosphère. Sauf que cette radioactivité, le strontium-90, le césium-137, le plutonium-240, etc., ils se sont envoyés dans la stratosphère, ils ont fait le tour de la planète, ils sont retombés dans les glaces, dans les sédiments des lacs, dans les sédiments marins, etc. On les trouve partout. Donc on a une petite couche qui est mondiale de traceurs radioactifs, vraiment de marqueurs. Je parle toujours de ma géochimie. Ma première thèse, j'ai fait deux thèses. Ma première thèse en thèse de troisième cycle, elle était sur ces marqueurs-là. Et donc on les trouve partout. On les trouve évidemment à des très très faibles concentrations, mais ils sont là. Ce qui permet de dire, c'est au moins le début de l'âge. Donc le gros démarrage avec ce marqueur-là, ce serait le milieu du XXe siècle. Après, le marqueur qui restera dans le temps, parce que la radioactivité, ça décroît, mais ça laisse quand même d'autres éléments derrière. Mais voilà, est-ce que ça sera celui-là qui restera le marqueur numéro un? Parce que dans un coup géologique, on a le marqueur principal, deux, trois. Le clou d'or, il peut y avoir plusieurs marqueurs. Il y a un gros débat sur les plastiques. Les plastiques, aujourd'hui, on fabrique de quoi entourer la Terre d'un film alimentaire. Mais si on continue au rythme auquel c'est reparti avec la Covid, là, auquel on produit du plastique, ce sera bientôt trois films alimentaires. Donc là, on aura des déchets qui vont dans les sédiments et qui sont synchrones. Parce que moi, quand je parle d'anthropocène, ben, il y a les villes. Ah oui, mais les villes, elles sont des fois construites sur un terrain qui a 600 millions d'années. Donc ça, c'est vachement important. Quand je vous ai montré les couches géologiques, il faut vraiment que ce qui se dépose soit temporellement en accord avec la couche du dessous. Il ne faut pas qu'il y ait de cassure temporelle entre les deux. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de l'indicateur radioactivité. De toute façon, je veux dire, les géochimistes, ils prennent tout. Ce que l'homme, il fait en salle, en propre, la nature et tout. Dès qu'il y a un marqueur, ça nous intéresse. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Mais je peux passer mon... Mais non, pas trop, parce qu'il n'est pas très... Là. Hein? Masqué. Puisque tu parlais de la poétisation à la fin, en s'adressant notamment à Philippe et ses stagiaires, il manque un élément sur ce qui t'a poussé à être océanographe. C'était à peu près à l'époque, on avait à peu près le même âge, de Cousteau. Donc, est-ce que les images de Cousteau ont fait partie du déclic? Et plus généralement, puisque le problème c'est de montrer l'invisible, Cousteau il montre des baleines, il montre des requins. Montrer du phytoplancton, c'est un peu plus compliqué, quoi. Hein. Oui. Moi, je compléterais juste la question par la part que vous laissez à la créativité dans vos activités qui relèvent des sciences dures. Alors, ces deux questions... Alors, Cousteau, non, parce que chez moi, il n'y avait pas la télé. Il n'y avait pas la télé, on n'allait pas au cinéma. Donc, ça s'est vraiment fait par un apprentissage de la mère avec le père. Et je suis devenue fanatique du positionnement. Ma première triangulation, c'est un souvenir. Je devais avoir 10 ans à peu près, tellement j'étais contente. Voilà. Donc c'est vraiment venu de là, vraiment pour être clair. Et Cousteau, j'ai découvert quand j'ai fait mon premier stage sur les traceurs radioactifs à 20 ans au musée océanographique de Monaco. C'est là que j'ai vu les premiers films de Cousteau. Pour vous dire, c'est venu tard. Donc j'étais déjà dans la vocation. Hein. Non. Par contre, beaucoup de gens m'ont posé cette question. Et même au début, quand je disais que je faisais l'océanographie, « Ah, tu travailles avec Cousteau ?» Ben non, je ne travaillais pas avec Cousteau. Voilà. Parce qu'on est plutôt dans l'invisible. Donc, la créativité. Alors, voyez ça. C'est particulièrement âpre hein, quand on vous le raconte. Et pour... quand je vous dis, j'ai fait... voilà. En fait, avec cet élément chimique, le néodyme, et avec le rapport de masse... Parce que les éléments chimiques, vous avez le carbone, il est fait du carbone 12, carbone 13 et carbone 14. Le 14, c'est la star.
C'est le moins abondant de tous. Il est abondant à 0,02%. Sauf que comme il sert ici énormément à dater les eaux, à dater tout sur Terre, les gens en général, ceux qui le connaissent, celui qui connaît, c'est le carbone 14. Les autres, ils ne les connaissent pas. Et pourtant, le 12, c'est de loin le plus abondant. Donc, dans le carbone, l'atome de carbone est fait de plusieurs masses. L'atome de néodyme, il est fait de 7 masses. Et le rapport entre deux masses, c'est ça qui en fait mon colorant. Sauf que pour avoir la capacité avec 10 mesures faites au milieu du Pacifique de dire mais c'est pas possible ces mesures, hein. Elles m'indiquent ça, mais alors ça remet en question tout ce que les autres ont dit avant. Alors qu'est-ce que c'était ? C'était que ce qu'on a démontré avec notre traceur. En gros, mes collègues disaient, et j'avais appris à l'école, enfin à la fac, que l'océan, les éléments chimiques qui étaient dedans, ils arrivaient par les poussières atmosphériques et les rivières, essentiellement, et les rivières dissoutes. Je vous ai montré la décharge de l'Amazone. Il y a infiniment plus de matériel qui arrive sous forme de particules que sous forme dissoute. Sauf que ces particules, elles étaient censées sédimenter sur le bord des continents et puis bouger. Et en fait, avec mon colorant, on a montré à 6000 km de la côte du Pacifique, Papouasie-Nouvelle-Guinée, là par là, c'est-à-dire la côte du sud-ouest Pacifique, on a montré que les eaux étaient marquées de la couleur de cette côte, mais pas en surface. Pas, donc en surface, c'est les poussières et les rivières. Hein. À 3 km de profondeur, ça n'est plus les poussières et les rivières. Ou même à 800 mètres de profondeur, parce que vous êtes beaucoup trop profond. L'océan, c'est très profond. Quand vous allez vous baignez dans la zone où il y a le phytoplancton. Vous baignez dans les 5-10 premiers mètres. Mais nous, on va travailler à 800 mètres, à 1000 mètres, etc. Et là, on voit les signaux qui arrivent on voit la couleur qui arrive de la côte. Et alors, donc, je suis allée voir mes collègues, puis j'ai dit, en fait, on n'a rien compris, c'est pas l'atmosphère. La principale source de matière à l'océan d'éléments chimiques, ce sont les sédiments déposés sur les marges. Je vous dis pas le temps qu'il a fallu pour les convaincre. On n'est pas passé à Nature, bien sûr, parce que c'était trop ésotérique, etc. Et donc, après, il faut savoir, à un moment donné, en recherche, il faut savoir sortir de la boîte. On a une mesure, cette mesure elle vous donne une information. Alors depuis qu'on a émis cette hypothèse, elle n'a pas été contredite pour l'instant, elle a plutôt été renforcée par d'autres qui se sont attaqués à la question. Et donc voilà, la part de créativité, c'est d'être capable d'attraper toutes les informations à un moment donné et de ne pas avoir peur de se poser une question qui peut remettre en question ce qui a déjà été démontré. Voilà. Okay. Donc il faut avoir un petit peu de non-cartésianisme, je pense, une capacité à rêver. Parce que sinon, on ne démontre pas grand-chose. Et c'est ça qui fait progresser la connaissance. En tout cas, ça a été énorme pour moi, mais je ne suis pas la seule. Hein. Je ne suis pas la seule à dire qu'à un moment donné, le déclencheur, ça a été une part de... je vais vous dire, je sors d'une semaine pleine où on a fait 12 interviews par jour, là pour le coup par visio, pour des gens qui proposent des projets à l'Europe, extrêmement de recherche fondamentale, eh bien, il y en a un, il va nous simuler, il va être financé, hein, je peux vous dire, il va nous simuler ce qui se passe comme viscosité entre le manteau profond et le noyau de la Terre. C'est-à-dire qu'il va faire un truc, mais il a mis dans sa tête telle compétence, et il nous fait la simulation de ce qui se passe dans le noyau de la Terre. C'est fou, parce que vous savez, c'est profond hein, quand même. Merci beaucoup Catherine pour cette intervention. Je crois qu'on a terminé. Ah, j'ai quand même un truc pour finir parce que je ne vous l'ai pas dit, mais on va faire un quiz, le dernier. Un quiz. À votre avis, l'eau qui plonge en profondeur au fond de l'Atlantique, toi tu ne réponds pas, ce qui plonge et qui va arriver au fond du Pacifique et qui revient, elle met combien de temps à faire le tour? Parce que je ne vous ai pas donné la réponse. J'ai oublié. Mais c'est mon quiz préféré. 10 ans. Allez, c'est le juste prix. On finit là-dessus. 100 000, 10. Elle met 1000 ans. Combien? 1000. Voilà. 10 ans, ça irait vachement vite quand même. Allez, courant marin. Et puis 100 000, c'était ce que les hommes pensaient au départ, quand ils ont commencé, et le carbone 14 a fait foi, la mesure a fait foi. Une mesure qui a demandé 2 000 litres d'eau. Il fallait avoir la foi. Hein.
Voilà, il ne faut beaucoup. Pas avoir peur. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup la régie pour les images de fond d'ambiance. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu, de vous être levé tôt ce matin. Merci à 1+2. Je vais passer la parole à Philippe. Merci à toute l'équipe de Réveil Créatif. Merci au Muséum pour leur accueil. Voilà, donc nous, on vous donne rendez-vous au mois de novembre avec un invité surprise. Alors, quand on dit surprise, c'est qu'on ne sait pas encore qui c'est. Voilà. Donc, je vous invite à venir sur le site Réveil Créatif pour découvrir cet invité. Voilà, je vais passer le micro à Philippe qui va vous expliquer un peu le déroulement de la journée.